aujourd'hui, on va travailler la frise numérique. Donc, vous allez pouvoir commencer par demander à votre enfant de nommer tous les chiffres de la frise numérique dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous pouvez demander à votre enfant de piocher un petit bouchon au hasard et de dire le chiffre qui est dessus. 4, 6, 2, etc. Étape suivante, reposez les petits bouchons sur la frise numérique, dans l'ordre. 1, 2, ben non, là c'est pas celui-ci, 3, etc. Ce n'est pas le suivant, on respecte bien l'ordre, 4, 5, etc. Étape suivante, ça va être de reconstituer la frise numérique, cette fois-ci sans le modèle ou avec le modèle très loin, vraiment si on a besoin d'aide. On commence par lequel? 1. Ensuite, trouve-moi le 2. Où est le 2? Ici. Trouve-moi le suivant, le 3. Ici. Trouve-moi le suivant, le 4. Etc, etc. Ensuite, vous allez demander à votre enfant de cacher les yeux et nous allons cacher un ou deux numéros sur la frise. Et vous allez lui demander quel est le numéro qui a disparu. Alors, on y va. 1, 2, 3, quel est le chiffre qui a disparu? Le 4. Est-ce celui-ci, celui-ci ou celui-ci? Le 4, c'est celui-ci. On vérifie la réponse? Oui, c'est gagné. Alors, le suivant qui était caché. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quel est le chiffre qui a disparu? Oui, c'était bien le 7. Donc, on vérifie sur le bouchon. Le numéro 7 a disparu. Donc, on peut jouer comme ça à cacher... plusieurs numéros, plusieurs chiffres, et demandez à votre enfant de deviner quel est le chiffre qui a disparu en récitant la comptine numérique. Donc plus il est avancé dans la comptine numérique et plus on peut la tracer plus loin. Voilà, on peut aussi s'amuser à compter sur la frise numérique de deux en deux parce qu'on a caché un chiffre sur deux. Donc avec votre enfant, vous pouvez dans un premier temps réciter la comptine numérique en entier et ensuite seulement les chiffres qui apparaissent. 1, 3, 5, 7, 9, etc. Ou inversement, hop, hop, hop. 2, 4, 6, 8, etc. Pour apprendre à compter de deux en deux la frise numérique. Voilà pour les petites activités autour de la frise numérique. On peut également piocher un petit bouchon et demander... Quel est ce chiffre? Alors, votre enfant va vous répondre 4. On peut vérifier. 1, 2, 3, 4. C'est bien le 4. Quel est le chiffre qui est avant? Donc, on avait pointé le 4. Avant, hop, on revient en arrière. Le 3. Notre chiffre numéro 4. Quel est le chiffre qui est après? Hop, après le 5. De même. Quel est ce chiffre? Le 6. Quel est le chiffre qui est avant le 6? Hop, on revient en arrière. C'est le 5. Quel est le chiffre qui est après le 6? Hop, c'est le 7. Bon, là, j'ai fait avec la petite aide sur la frise numérique. Mais normalement, on met le bouchon un peu plus loin et votre enfant doit trouver tout seul qui est avant, qui est après. Voilà, quelques activités autour de la frise numérique. On peut aussi s'amuser à poser... des petites graines ou des petits jetons pour représenter les quantités. Par exemple, je vais prendre des petits puzzles. Hop, voilà. Donc, 1. Ensuite, hop. 1 et encore 1 qui feront 2. 1, encore 1 et encore 1 qui feront 3, 1, 2, 3,
ici, un, encore un, encore un et encore un qui feront 4, etc. Voilà, bonne journée.